90. Ah, voilà. Allez. Ah, ça me dit recherche en cours de 98 autres joueurs. Ah ouais, d'accord. Bah, si t'as l'écran de chargement, normalement c'est bon. Ah non, c'est bon. Opération Verdansk, mission, connaissez votre historique. Je sais pas si c'est une mauvaise traduction ou si... Oh, le truc qui bug, trop stylé. Ah ouais. J'espère vraiment qu'il va y avoir un événement avec un truc... Où ça revient dans les années 60, là. Ah, mais c'est des musiques de Black Ops 1, De ça. Black Ops, ouais. Ouais. Énorme. C'est bien, tu connais tes classiques. Ah, bah Black Ops 1, mec, j'avais un ordinateur pourri pour le faire. Oh yes, le bombardier furtif. C'est un killstreak, ça, d'ailleurs, de Black Ops. Oui. Donc là, faut aller n'importe où et buter des types. Ouais. C'est-à-dire que le collègue, il va collaborer. Censuré. Tout voyage débute par un premier pas. C'est la phase. On va où? Tu m'entends, Clem? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est. Vas-y, on te saute, on va. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, dis-moi, je te suis. Bah, vas-y, on va au stade. Le truc, il faut faire des kills là, de toute façon, donc. T'as les couilles, hein. Et encore. Ok. Voilà, allez, on récupère. Bon, déjà, on a grave avancé, déjà, rien que ça. Bah c'est bon, derrière, on va tous les avoir. Derrière. C'est bon, on les a tous, il faut les sécuriser la carte. Allez, c'est à 1000 mètres. Je chope le véhicule, tu me rejoins. Ouais. Attends, j'arrive. Et merde, je me suis fait buter. On prend cette voiture là. Là on s'en fout des mecs, c'est le plus important c'est de bouger là. Mais t'es comment? Y'a un mec qui court derrière, t'en fous. Allez, faut qu'on aille au point. Il veut pas suivre l'autre? Il a rien compris quoi. Ouais, il nous rejoindra au pire après, c'est pas grave. La bonne musique qu'on kiffe. Couronne de cuivre. Oui. Ah, je peux avant il mes a fait armes, couronne de saleté, tu te rappelles? Ouais. C'est ma préférée celle-là. Qu'est-ce que j'aime le métal, mec. T'écoutes ça toi un petit peu? Bon, j'ai eu une grosse période dans ma jeunesse du métal, moi je suis plus rock maintenant. T'es rocker de toute façon, t'es... Oui, de fond. Dans la zone, surveillez le ciel. Après, je coupe pas du métal, enfin, tu sais, je coupe pas l'arme of gun non plus. Hein. Oui, ouais, non, c'est mais. Plus Gojira, ouais, Ah oui, Gojira, tu vois, c'est énervé mais posé, tu vois. Ouais. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir, tu crois? Alors, vas-y. Ah, ça lag un peu, mais c'est normal, le jeu. Vas-y, je la récupère. Ah, il faut bouger à la zone là maintenant, on n'a pas le temps. Je prends le volant. Tu me... Ok. Ah ouais. Et là, faut trouver la caisse qui doit être par là, ouais. Décoder le code de la carte. On va récupérer un... Voilà, donc la caisse, je te dis, c'est une caisse de loot, mais elle est en or, tout ça, donc... Bon, il y a un peu des mecs avec nous, mais bon, tant pis. Peut-être à l'intérieur. Code secret, super. Qu'est-ce qu'il va me dire? Maintenant, il faut trouver Woods. Manier l'arme. T5. Ouais,
D5, tu ping et j'y vais on y va en voiture. Superstore, mec. Eh ben vas-y. Putain, Superstore dégueulasse. Bah, pour, je crois que c'est celui que Max, là où Max l'a chopé. Ah bon? Ouais. Et attends, y'a pas un hélico? Ah, y'a une voiture qui arrive sur nous, mec. Ouais. On a pas le temps. Oh, c'est génial. Tellement génial, mon pote. Ouais, c'était... c'est... pas passé. Oh, rien, y'a du brouillard, mec. Non, je sais plus par où... par où je peux passer, là. Y'a du brouillard, c'est gouvernant, parce que c'est marrant. Ouais. Ouais, ça va être chaud en passant par là. Pas grave. Comment je m'éblouis avec mon arme. On a ramassé des mules. C'est ça qui est bon. Allez. Ennemi déployé dans la zone des opérations. 10 minutes. Au calme. Essaye d'éviter les bâtiments. Essaye d'éviter les bâtiments. On passe tout droit là. Ouais, mais je pense que t'inquiète. Au pire, si on se fait exploser, après on se parachutera directement vite. Ok. Mets-le lui. Mets-le. Voilà. Non. Nous. C'est pas grave, on se para dessus. L'exécution, bien joué. Allez, on se dit bien. Putain, 940. Chier là. Ah putain, ça va peut-être un peu tendu. On va pas avoir le temps. Ben 600 mètres. Il reste 9 minutes, mec, ça va, je me fais tuer. Ouais, ouais, ça devrait aller normalement, ouais. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Putain, fais chier. Ah, y'a un camion là-bas, non? Regarde. Ouais. Tu sais quoi? Moi, je vais aller prendre ça. Et on se rejoint, ok? Tu veux faire véhicule séparé? Ouais, c'est mieux, parce qu'au bien, c'est plus celui qui... Comment dire? Si on se reprend un C4, au moins, il y en aura au moins un qui sera déjà sur le point, tu vois ce que je veux dire? Ouais, vas-y. Ah, je vais laver. Ah, merde. Ouais. Ah, mais cassez-vous. Cassez-vous, laissez-moi peinard. Je vais aller voir Woods. Bon, c'est pas me péter le... Ah, bon, je vais y arriver. On prend une deuxième tentative, sinon. Ah, je suis à 600 mètres. C'est... Oh, j'y arrive dessus, moi. Non, mais il n'y a plus qu'à le trouver. Tu m'entends? Ah, oui. Attention, non. Prends-le. Bon, attends, il y a un pauvre, il faut le trouver. Tu fatigues des gens, là, à te pourrir ton easter egg, là. Et là, Woods. Non. Woods. Bon, tu vas y être. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à se séparer. Je vais aller un peu à l'étage. Je vais essayer de traverser, mais... Il reste 8 minutes. Il est en bas, normalement. Ah, sauf il est en bas. Sauf s'il change d'espace tout le temps, mais il est dans les racks, caché dans les racks. Ah, ok, bon, je vais en descendre. J'entends des bruits, j'ai peur que ce soit des pas, purée. Après, y a moi qui carapate. Hein, non. Vas-y, je fais tout le bas. J'avais fait que j'ai pas dit de conneries, non, D5, c'est super store. Il est là, mec, j'ai trouvé. Vas-y, super. J'arrive. Oui. On y va. Je l'entends. Attends, son frère jumeau arrive. Beau boulot, soldat. Yes, ah yes. Je suis trop content. Allez. Ah, merci Clem. Et allez, voilà. On va voir la bande annonce là, non?
Vous maniez l'arme? C'est quoi le problème? Allons-y. Non, il faut attendre que le timer, on a 7 minutes, on peut faire des kills maintenant si tu veux. Vas-y. Allez, bouge. Vas-y, hein. Voilà, tu l'arrives. Tu vois, c'est pas très compliqué en fait, dès que tu connais un petit peu le délire. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu le connais quoi. Bah, oui. Tu connais rien, mec, t'arrives sur ça, tu sais pas comment faire. Hein. Je sais pas comment Maxime il a fait pour deviner au début. Bah, en fait, on avait quasiment fini au départ. En fait, on avait tout fait, on avait fait décoder le code de la carte, tout ça. Mec, y'a du monde. Monde à l'entrée. Ils arrivent sur moi. Bah, ouais, c'est. Je suis derrière toi. Oh, ça klaxonne. Ah, encore ce mariage maghrébin là. Allez. Qu'est-ce que t'as dit, un mariage maghrébin? On prend un peu de hauteur là sur le. Ah, il y a du monde sur le toit. Cette musique durée. Eh oui, la musique de la mission dans, en Chine là. Mais c'est justement la musique de la fameuse mission hein. Oui, c'est ça. Ah. C'est toi qui l'as ou pas? Non. J'essaie de retourner au-dessus pour les flinguer. Je sais pas par où monter moi. Ok. Tu vas te prendre une balle de K, mon ami. Allez, tu t'es crack. T'es fait éloigner. Oh, purée, cette musique! Et elle oui. Me foutrait une érection! C'est pas la fameuse musique où tu te retrouves en 1940 là? Non, celle-là, c'est la musique où t'es en Chine. Et tu sautes de bâtiment en bâtiment là pour. Ah ouais, la même mission que dans Battlefield, elle ressemble énormément à celle de Battlefield. Ça, c'est plus Battlefield qui ressemble à. Ouais, non, mais c'est vrai. Oh, j'ai des lags. Déjà que j'ai des lags. Quand le jeu se met à laguer, mais mec, c'est. Et donc ouais, je te disais, donc on était arrivé quasi à l'avant-dernière truc et on était pas loin pour aller. Woods était à storage, on devait aller à storage. Et mais on n'a pas eu le temps en fait, on s'est fait niquer par la. On s'est fait niquer. Donc mais après moi Max, je devais aller chercher. C'était mort non? Ouais, bah en fait moi je devais aller chercher ma femme qui revenait en TGV après, donc je lui ai dit que je devais bouger. Ah, et après finalement il est. Après, et puis bon, comme il savait quoi faire sur 90% des missions. Après c'était bon quoi. Ouais. Franchement c'est putain de trop cool ces événements là comme ça là pour révéler non, le jeu et tout ça. Non mais faut pas qu'ils en passent plus souvent parce que Fortnite c'était tous les 4 matins qu'il y en avait. Hein. Par contre leurs serveurs ils étaient pas du tout adaptés. Après bon ça va un peu mieux. Et surtout t'entends parler tous les youtubeurs. Ils vont te dire que les événements sont quand même vraiment chiadés quoi. Autant Fortnite c'est ouf mais là ils savent vraiment jouer sur la nostalgie, sur plein de trucs quoi. Ouais, c'est bien. Avec la musique mec là ça me fait des frissons partout mec, je suis là mais. Ouais c'est trop bien ouais. Ah mais je sais on était à fond avec Banner, on se dit ah putain mais regarde sa musique de Black Ops tout ça. Et t'inquiète pas, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Yes, je l'ai défoncé. Ouais, je sais que c'est pas fini, ouais. Ouais, je me suis fait spoil, hein, tu sais, je suis allé voir Mabzoué et Skyrose, hein. Ouais, ils ont des codes créateurs, c'est bâtard. C'est-à-dire que tu rentres ton code créateur, ça tire d'où, là? Dans la zone.
surveiller le ciel. Sur moi. Oh, j'ai tellement mis une grosse tête là. Oh, je l'ai démembré. Oh, elle a plus de tête, elle a plus rien. Oh, j'ai mis... Tu sais que je suis assez doué au quart, mon petit halo. Je... Eh ben, mon copain continue parce que... Je mets des lourdes têtes en ce... Mais qu'est-ce que tu veux faire, toi? Arrête les immunités, je vais t'éclater tout le temps. Y'en a un, il fait que revenir sur moi pour essayer de me cut. Ah oui. Et alors? Encore. Ah oui. À terre. Bon. Tu le finis? Bah, il est où? Il est en bas, là? Ouais, en bas. Ah oui, il est là, ouais. Allez, tête. Ah, mais elle va encore revenir, hein. Surveille le ciel, elle va revenir. Ah, bah attends, elle a plongé, je l'ai vu. Il l'a vu, l'autre. Il l'a vu, le collègue. Il est efficace, ce petit collègue, là. On est à... Je sais pas combien on est d'élimination, mec. T'as pas fait 10 kills, moi j'en ai fait 2 moi. On est à 22 kills mec. 10-10, y'a que moi qui en a 2, mais bon, ça c'est un grand classique, mais c'est pas grave. Oh, arrête un peu. Non, mais c'est tu me fais rire mec. Je... J'aime bien garder. 7, ah. 15, 1, 2, 19, 7. 25. Et ça, c'est ouais, le code de Nelson là. 6, 7, 15, 14, 0. C'est la bonne Mason? Non, mais c'était les codes de Dragovic, tout ça que Mason avait là. Les codes qu'il a dit. Ascension, c'était le projet Ascension là. À l'apogée de la guerre froide, Yuri Bezmenov, déserteur KGB, lance un sinistre avertissement. Mais tu sais que c'est des trucs de tiré de fait réel ça, hein? Ouais, je sais. Ouais. And you have precious little time. Precious. Allez, il faut aller courir faire un dératé sur le stade. C'est mon moment préféré, mec. Ah ouais, c'était trop fou. C'était assez fou. It's a slow process which we call active measures. Mesure active. The first stage being demoralization. Ça me fait des frissons dans le dos, que j'adore tout ce qui est géopolitique en plus. Ouais. Ça fait 20 ans pour démoraliser une nation. L'économie, les relations étrangères, les systèmes de défense. On regarde tous les drones qui volent là. Ouais, ouais. Ouais, ils sont pas trop cassés la tête par contre. Non, c'est des bombardiers, ouais. Donc c'est un peu nul, c'est un peu. This is what will happen in the United States if you allow all the schmucks. Ils auraient pu faire un truc à... J'entendais un bruit, j'ai dit c'est quoi ça? En fait c'est un train qui passe. Les, il y a tout notre tour. On coule sur le stade. Oh mec. N'oubliez pas l'histoire. Vous soyez condamnés à la revivre. Ah, allez, moi j'y suis. L'autre il est à 140 mètres, mon gars. Incroyable. Yes. Oh, c'est encore plus beau sur une télé, mon gars. Ah bah oui. Je l'ai en 4K, moi, donc ça fait ici. Oh purée, tu m'étonnes. Vivement que je change de télé, purée. Mes chers compatriotes, une guerre nucléaire conduirait l'humanité à sa perte. Nous nous devons de construire un monde plus sûr. Il y a 5 jours, j'ai reçu des renseignements sur un agent soviétique de Perseus. Musique des années 80. S'ils disent vrai, alors quelque chose de grave, ouais. Quelque chose qui pourrait changer la, le cadre de la. C'est ça.
C'est exactement ça. J'adore. C'est un pur kiff, mec. Ah, c'est dans les woods. Monsieur le Président, la menace est réelle. Oui, monsieur, j'en ai peur. Monsieur Hatter, vous avez carte blanche. T'as vu, une mission un peu psychédélique. Ouais, grave. Ça ne fait pas partie du plan. Nous comptons tous sur vous. Il y aura la bêta aussi. Il y aura encore bité pendant des heures, mec. Ah bah là. Et c'est quoi l'apparence que t'as vu avec Woods d'armes? M4. Une M4? Ouais. Et voilà. Incroyable. Faut quitter là ? Bon, j'ai quitté, ouais. Et là, ils vont me proposer d'acheter. Oui, oui, obtenir la récompense. Trop bien. Ouais, je vais le précommander plus tard, je vais attendre un peu, mais. Oui, bien sûr, parce que moi je l'ai fait parce que là, comme j'avais eu mon anniversaire, j'avais eu un peu des sous, tout ça, donc je le fais maintenant, moi en novembre, je serai pas. Ouais, c'est vrai, avec toi, enfin, c'est vraiment, faut que je te le dise avant, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'aime bien, il est fun celui-là, toutes les armes, là. Ça ressemble au, comme disait Skyro, ça ressemble aux vieux emblèmes, mec. De quoi? T'as regardé la vidéo où il explique qu'il a des infos et par rapport à la campagne, tout ça? Il dit quoi? J'ai pas regardé ce qu'il disait, Skyro. À un moment donné, il explique... En gros, la campagne, bon, déjà, c'est la suite absolue de Black Ops 1. Ouais, c'est vrai, ouais. Que Black Ops 2, c'était un peu dans le turfu, mais pas le turfu, c'était dans les années 2000. Black 2020 et quelques, je crois que ça se passait. Et t'avais tout le temps des flashbacks sur des trucs qui se passaient bien avant, comme le truc en au Rwanda, oui. Ou je sais pas quoi, là. Oui, oui, avec Menendez, tout ça, ouais. Je m'en rappelle tellement pas, mec, du 2. Le 2, je l'ai vraiment bâclé. Ah oui, et c'est vrai que Mason et toi, ils sont super vieux. Ah, je sais plus. Mason, il est supposé mort, justement. Supposé mort. Fils de Mason, du coup. Et il y en a un qui est dans une chaise roulante, qui, en fait, tout le jeu, oui, c'est Woods. C'est Woods avec une. Et c'est une Woods narration. Qui raconte, et c'est ça. Ok. Fils tactique. Fais voir un peu. Bon. J'aime bien les trucs un peu à l'ancienne, comme ça, là. Ça fait du bien. Il y a écrit quoi dessus? Ce qui sera cool, c'est que. Toutes les armes là qu'on a débloquées, tout ça, ben on pourra les avoir après tout ça dans leur... Tout sur... Ça c'est après, cool. Après, il se présente qu'il n'était pas à l'époque certaines, la Vector, tout ça, c'est que t'es pas. Non, non, mais après ça sera pour le Warzone. Alors je sais pas si le Warzone, il y aura un Warzone Black Ops à mon avis. Ok. À mon Parce avis. Parce que ça, je l'ai pas vu perso, mais... Je te crois, hein. Ben moi, c'est Code QG qui... C'est Code QG qui l'a dit, bon, hein, donc... Code QG, mec... J'aime beaucoup, mais alors je me méfie un peu de ce qu'il raconte des fois. Tu veux qu'on...